Je vais donc présenter maintenant Sophie Bénard, qui est doctorante contractuelle en philosophie de la littérature, CURAP CNRS. Elle travaille sur les inégalités de genre dans le langage à partir des récits de soi de femmes des 20e et 21e siècles. Elle collabore au Monde des livres, aux Matricules des anges et à AOC, c'est-à-dire les vins, c'est ça ? Elle s'intéresse à la pop culture pour des colloques et publications. Et elle nous parle aujourd'hui de sorcières et de soins de soi. Merci. Merci aux organisatrices. Je commence par remercier les organisatrices pour l'invitation et surtout d'avoir tout fait pour que le colloque puisse se tenir malgré le contexte. Et je vous préviens aussi que ma communication devait avoir lieu demain après-midi, donc dans le groupe sur les sorcières et le féminisme. Mais je parle aujourd'hui à cause d'impératifs professionnels. Donc là, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais peut-être que je servirai de petite introduction à la session de demain. Et ce que je voudrais faire, du coup, dans cette communication, c'est évoquer les sorcières contemporaines. Je vais les définir. À partir de la pensée de Béatrice Preciado dans Testo Junkie, que je vais présenter. Et mon but est de comprendre pourquoi et comment certaines femmes, beaucoup, je crois, j'espère, sont bel et bien des sorcières contemporaines. Mais je voudrais aussi faire comprendre l'importance politique et existentielle de cette sorcellerie, qui n'a rien à voir ici avec ni le surnaturel ni la superstition. Donc je commence par introduire rapidement Testo Junkie et son autrice, qui depuis est devenue un auteur, mais je parle au féminin parce qu'à l'époque de Testo Junkie, c'est très important pour elle d'être une femme et c'est important aussi pour mon propos, donc je continue de la désigner au féminin. Donc c'est un texte qui est passionnant sous plusieurs aspects, mais qui est encore assez peu connu, c'est pour ça que je prends un peu le temps pour le présenter. Donc, Testo Junkie, c'est un texte qui est désigné par son autrice comme une auto-théorie, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire le récit d'une expérience, celle de l'autrice donc, et de se servir de cette expérience pour bâtir une pensée théorique. Donc, j'ai pas vraiment le temps de m'étendre sur le sujet, mais c'est un choix formel qui est particulièrement intéressant d'un point de vue de l'écriture et de la méthode philosophique qui, en fait, traditionnellement exclut le jeu et la subjectivité. Et dans ce texte, Béatrice Preciado pratique et raconte ce qu'elle nomme une auto-intoxication à la testostérone. Donc sans être à l'époque dans un processus de changement de genre, en fait, elle s'injecte des doses de testostérone qu'elle se procure au marché noir, illégalement, pour observer les effets de cette hormone sur elle. Je dis à l'époque parce que justement, depuis, Béatrice Preciado est devenue un homme, en tout cas signe ses textes sous le nom de Paul B. Preciado et se désigne au masculin. Mais Testo Junkie porte aucune trace de cette transition, au contraire. Donc c'est un texte dans lequel elle insiste sur le fait que justement elle est une femme et qu'elle ne veut pas devenir un homme à l'époque. Elle explique ainsi sa démarche, je la cite, « Je ne prends pas la testostérone pour me transformer en homme, ni pour transsexualiser mon corps, mais pour trahir ce que la société a voulu faire de moi. » Cette auto-intoxication à la testostérone, elle est prétexte à l'établissement d'une théorie qui mêle philosophie, sociologie et histoire, et qui va amener l'autrice à définir la société contemporaine comme pharmaco-pornographique. Donc je cite la définition la plus claire qu'elle donne de cette notion, que je vais essayer d'expliquer parce que c'est vraiment sur cette notion que je m'appuie pour étudier les sorcières contemporaines. Donc elle parle, je cite, d'un régime post-industriel, global et médiatique, dont la pilule et Playboy sont paradigmatiques, Playboy le magazine, sont paradigmatiques et que je nommerai dorénavant pharmaco-pornographiques, prenant pour référence les processus de gouvernement de la subjectivité sexuelle dans ses modes moléculaires, donc c'est le côté pharmaco, et sémiotechnique, c'est le côté porno. Il s'agit ainsi de penser que la subjectivité des individus est gérée, voire contrôlée par deux aspects. Un aspect médicamenteux, pour le dire vite, c'est les modes moléculaires dont elle parle. Donc, en fait, c'est tout ce que nous absorbons, du doliprane au LSD, en passant par les antibiotiques qu'on mange dans la viande, etc., etc., aux pesticides qu'on mange sur nos légumes, et un aspect culturel, qui sont donc les modes sémiotechniques qu'elle évoque, c'est-à-dire tout ce que nous recevons de la culture qui nous entoure par les médias au sens large, et qu'elle appelle pornographique, en référence à, en fait, à tout ce que cette culture a de pornographique, la publicité, etc., etc. Pour la question des sorcières, moi, c'est l'aspect pharmacologique qui va m'intéresser. Et je cite encore Preciado, et après, ce sera terminé avec cet aspect très technique. Donc, Preciado qui dit « Le véritable enjeu du capitalisme actuel est le contrôle pharmaco-pornographique de la subjectivité, dont les produits sont sérotonine, testostérone, antoacide, cortisone, antibiotiques, estradiol, alcool et tabac, morphine, insuline, cocaïne, citrate de sildénafil, c'est le Viagra,
et tout le complexe matériel et virtuel participant à la production d'états mentaux et psychosomatiques d'excitation, de détente et de décharge, d'omnipotence et de contrôle total. Donc j'en viens maintenant à la raison pour laquelle Testo Junkie est le point de départ de ma réflexion. C'est déjà un texte dans lequel les sorcières du Moyen-Âge, donc les sorcières classiques, si on veut, celles dont on a parlé un petit peu ce matin, sont rapidement évoquées, mais surtout, en fait, le sort qu'on leur connaît, l'Inquisition, est désigné comme le premier geste d'établissement de cette société pharmacopornographique. Pourquoi ? Parce que, précisément, l'époque moderne est décrite par Preciado, donc déjà comme je viens de vous le dire, mais surtout par une persécution des producteurs, consommateurs et trafiquants de drogue, au sens large, une transformation progressive des ressources naturelles en brevets pharmaceutiques et une confiscation par les institutions juridico-médicales de tous les savoirs auto-expérimentaux d'administration de substances. Pensez par exemple au fameux « demandez conseil à votre pharmacien ». Surtout, ne faites rien par vous-même, vous n'avez aucune connaissance. Donc c'est la raison pour laquelle, dans ce texte-là, Preciado considère la testostérone comme une drogue, d'où le titre « junkie », puisqu'en fait, elle ne se l'administre pas dans un contexte médicalisé, puisqu'elle n'y a pas accès légalement, puisqu'elle n'est pas dans un processus de changement de genre. Et donc, la substance devient une drogue. En fait, elle choisit de considérer la drogue à partir de la substance et non pas à partir de l'usage qui en est fait. Donc la substance, en fait, qu'elle soit dans un milieu médical, devient un médicament et hors milieu médical, devient une drogue. On pense aussi aux opiacés qui posent problème en ce moment aux États-Unis, qui ont d'abord été prescrits par des médecins et qui maintenant est une drogue en fait par les gens qui la consomment. Or, de ce point de vue-là, donc sur cette question des sorcières et des drogues, en fait, l'époque moderne a renversé un système qui lui préexistait, puisque les breuvages du Moyen Âge contenaient, donc les breuvages fabriqués par les sorcières, contenaient extraits de plantes comme le pavot qui, on le rappelle, est à l'origine de l'opium, de l'héroïne et de la morphine. Donc c'est quand même des potions solides qu'on buvait. Le chanvre, la marijuana et le hashish. Et en fait, à l'époque, c'est ainsi qu'on se soigne. Donc en fait, l'Inquisition se met à fonctionner comme une instance de contrôle et de répression, aussi bien du savoir pharmacologique des femmes, et souvent des femmes de la classe populaire, donc là c'est vraiment une double peine, et de leur préparation. Ça a été rappelé ce matin, tous ces soins étaient faits par les femmes médicalement, en fait. C'est comme ça qu'on se soignait, qu'on prenait soin des corps, et en particulier de ce qu'on appelle maintenant la gynécologie. Mais ça a été rappelé aussi ce matin, puisque la médecine s'organise en corporation à partir du XVIe, les nouveaux experts se fédèrent, se valident entre eux et sont des hommes, et donc le savoir est confisqué. Il faut une licence pour exercer la profession, donc les sorcières sont persécutées. Ce qui devient interdit, c'est l'auto-intoxication ou l'auto-expérimentation à partir des produits qu'on se procure librement et qu'on mélange ou qu'on fait cuire, enfin peu importe, librement aussi. Et ça c'est une sorte d'oubli qui devient loi en fait dans notre monde contemporain. Surtout, on ne fait rien soi-même et on s'adresse toujours à un spécialiste. Donc à partir de cette définition et de cette compréhension de la figure des sorcières et de leurs pratiques, je voudrais interroger en fait les mouvements contemporains auxquels on insiste, que je vais décrire rapidement, mais en fait je pense que vous allez très vite voir de quoi il est question. Et surtout voir en fait que les sorcières sont en train, j'espère en tout cas, de renaître de leurs cendres. Parce qu'il me semble en effet qu'on assiste à une sorte de fourmillement d'informations et de témoignages médiatiques qui prennent place en fait dans ce qu'on pourrait appeler la pop culture, pour le dire vite, beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc de témoignages qui émanent majoritairement de femmes, mais on va revenir là-dessus, et qui concernent en fait précisément la réappropriation des substances et la prise en charge individuelle de la santé et du bien-être. Donc une réappropriation de l'aspect pharmaco de la société, pour reprendre le terme de Preciado. On assiste à une multiplication des pratiques naturelles ou alternatives du soin de soi, voire de la santé. Donc je veux parler de ce qu'on voit, de ce qu'on entend sur les remèdes naturels, la naturopathie, les soins aux huiles essentielles, aux huiles végétales, le souci de l'alimentation équilibrée, biologique. Donc là, évidemment, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le souci de l'amaigrissement, plutôt celui du bien-être sur l'alimentation.
Donc voilà, je m'attarde pas trop sur les exemples pour avoir le temps de dire tout ce que je veux, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Hein. L'huile de menthe poivrée quand on a mal à la tête, l'aloe vera quand on s'est brûlé, toutes les recettes de grand-mère qu'on connaît. Et en fait, ces courants-là, ils me semblent être le signe de deux choses très intéressantes et qui sont vraiment très liées à la figure des sorcières du Moyen-Âge. C'est d'une part, on assiste à une réaction en fait, des femmes à la médecine allopathique, une médecine qui, je le rappelle, a encore du mal à prendre en compte le corps des femmes. Je prends un exemple, c'est très étudié, hein, mais je prends un exemple tout simple. Il y a eu une grande campagne pour faire connaître aux gens les signes de l'AVC pour pouvoir faire une prévention utile, donc le bras gauche, le côté gauche, etc. Et il s'avère que les signes ne sont pas du tout les mêmes pour les femmes et on n'a jamais été au courant de quels sont ces signes parce que c'est moins important, quoi. Donc en fait, les femmes semblent combler le manque de confiance qu'elles ont dans la médecine, à raison, par une prise en charge individuelle ou du moins entre femmes, donc par un savoir qui se transmet de femme en femme plutôt que de spécialiste, souvent masculin encore, à femme. Et qui plus est, deuxième chose que ces nouveaux modes de transmission et d'appropriation révèlent, c'est le fait que ces femmes ou ces individus refusent un certain mode de consommation et de rapport à la nature. Et en fait, ces sorcières contemporaines ont toutes des écoféministes, justement, dont on a parlé ce matin. Par exemple, très présent dans ces courants-là, naturopathes, etc., les cosmétiques naturels, qui sont une réaction aux tests sur les animaux par les cosmétiques traditionnels, qui sont en réaction aux produits chimiques qui sont injectés dans les cosmétiques et les crèmes et tout ça. Et ce qui m'intéresse particulièrement, en fait, c'est la façon dont ces modes de soins de soi se font transmission et reposent sur la transmission entre les individus, dans les textes, mais aussi, encore une fois, sur les réseaux sociaux, énormément sur YouTube. C'est vraiment quelque chose de très présent. C'est ce que font le plus les femmes, en fait, sur YouTube, en termes de contenu. Et on lit et on entend beaucoup au début des témoignages, au début des livres, au début des vidéos. Je ne suis pas spécialiste, je parle que de mon expérience. Voilà comment je me suis débarrassée de telle ou telle douleur, ou voilà comment je fabrique telle ou telle potion. Le terme de potion n'est pas employé, mais ça ressemble énormément. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que tous les textes de naturopathie, alors que ces femmes sont spécialistes, enfin elles sont naturopathes, commencent ainsi, en s'excusant de ne pas être spécialiste. Par contre, là, je pense récemment, je tombais sur un article de Michel Simès, qu'on connaît tous, qui écrivait un article pour donner des conseils, qui sont en fait des injonctions, aux femmes enceintes. Lui, il s'excuse pas du tout. Il est grand spécialiste. Il n'a jamais été enceinte, il ne le sera jamais, mais il n'a vraiment aucun problème, quoi. Il n'a aucun problème sur rien, ouais, de manière générale. Hein, bon. Mais vraiment, justement, il n'en loupe pas une d'occasion de se taire. Mais là, vraiment, il se sent tout à fait légitime alors que les livres de naturopathie commencent par une excuse, pardon de ne pas être une grande spécialiste de la médecine, mais j'ai tel et tel savoir à partager. Et justement, cette culture du partage de remèdes et de remèdes de soins de soi a attiré l'attention, je crois, sur l'importance de la légitimité qui n'est pas nécessairement celle du spécialiste. Ça me semble évident, justement, que plutôt qu'un homme qui ne connaît rien et ne connaîtra jamais rien à la grossesse, en tout cas en propre, on préfère, enceinte et en quête de conseils, se tourner peut-être vers une femme qui a vécu une grossesse que vers un spécialiste désigné. Mais on assiste aussi à une prise en charge individuelle de la santé et surtout des savoirs que cette santé nécessite, ce qui importait énormément dans l'Antiquité. C'est pour ça que je parle de soins de soi volontairement, pour reprendre le terme de Foucault qui a étudié ça dans l'Antiquité. Et prise en charge qui est autant un enjeu existentiel que politique, puisqu'on arrive à une connaissance à la fois de soi et du monde, de son corps et des substances qui l'entourent et avec lesquelles le corps interagit. Et il me semble que politiquement, la méfiance, qui n'est pas forcément une défiance, mais qui est une méfiance prudente, quant à l'autorité, y compris celle du spécialiste, est quelque chose d'assez stratégique. Or, les femmes sont surreprésentées dans ces préoccupations et dans ces pratiques. Et si on se demande pourquoi, il me semble que la réponse la plus évidente réside dans le vide médical qui entoure le corps des femmes, dont j'ai déjà parlé. Parce que, je ne reviens pas là-dessus, confisquée par les hommes, la médecine a pris pour modèle le corps masculin. Et du coup, en fait, le corps féminin devient en lui-même pathologique. On est réglé, ah, il faut tout de suite prendre la pilule. On n'est plus réglé, ah, il faut tout de suite prendre un traitement de substitution. Et en fait, tout est maladie à toutes les époques de la vie d'une femme. Traitement de substitution dont on est en train de découvrir par ailleurs qu'il est responsable de la plupart des cancers hormonaux du sein et de l'utérus.
Et en parallèle, donc, être une femme, c'est déjà une pathologie. Mais en parallèle, par contre, les réelles pathologies féminines sont très peu connues. Le syndrome des ovaires polykystiques n'est pas du tout connu. Les dernières études datent de 1960. C'est une femme sur 10 en France. Et l'endométriose, on entend en ce moment plus parler, mais qu'il y a quand même, c'est 10% des femmes et personne n'y connaît rien. Et donc, cette présence des femmes, elle s'explique par ce vide médical qui est paradoxalement encore plus pesant sur le vide gynécologique, d'autant que la gynécologie est aussi un lieu de contrôle particulièrement important. Donc, je viens d'évoquer l'injonction, ou en tout cas l'encouragement aux traitements hormonaux. Par ailleurs, les femmes, par exemple, qui se soumettent à ces traitements-là, font très attention dans leur alimentation à éviter les perturbateurs endocriniens. Il n'y a pas plus perturbateur endocrinien que la pilule, par définition, puisque c'est... Donc, on trouve d'innombrables témoignages et partages d'expériences sur ces maladies peu connues, peu prises en charge, sur les remèdes possibles. Par exemple, il suffit de taper dans la barre de recherche de YouTube le nom d'un problème gynécologique pour tomber sur énormément de témoignages et d'initiatives individuelles qui reposent en fait très souvent sur des éléments naturels. Je signale par exemple une brochure qui s'appelle « Ça me gratte la chatte », qui est une brochure en fait, qui propose des solutions contre les mycoses à Candida albicans, qui sont extrêmement répandues, et qui sont aussi susceptibles, ces mycoses, de mettre en échec la médecine allopathique, puisqu'il y a à la fois apparemment une concordance d'inefficacité des traitements proposés, mais aussi du fait que ces traitements en fait, détruisent totalement la flore vaginale, et une flore vaginale détruite, c'est une possibilité de avoir une mycose. Donc en fait, c'est un cycle sans fin d'ovules, parce que le traitement est un ovule, enfin ce sont des ovules, et donc un cycle sans fin d'ovules qu'on met sans jamais réussir à se défaire de la pathologie. Et cette brochure, en fait, c'est un véritable grimoire qui propose des recettes à base d'huile végétale, des protocoles à respecter, etc. Cette réappropriation des femmes de leur santé et en particulier leur santé gynécologique. C'est aussi une réaction, je pense, à un certain type de manipulation. Je reviens rapidement sur la pilule contraceptive qui est encore très prescrite pour d'autres raisons que la contraception. Preciado précise dans la partie qu'elle consacre à la pilule que l'œstrogène est la molécule la plus rentable de l'histoire de l'humanité. Donc les laboratoires exercent une pression énorme pour que la pilule justement soit prescrite le plus tôt possible, le plus vite possible et le plus longtemps possible parce qu'elle rapporte beaucoup. Et elle commence à peine en fait, à être décriée pour les problèmes de santé et ou de bien-être qu'elle provoque. Pour rappel, je n'aurai pas le temps d'en dire grand-chose, mais la formule de la pilule contraceptive pour les hommes est connue, elle est connue depuis très longtemps, mais elle n'est pas commercialisée parce qu'elle a des effets secondaires, que je vous cite, la baisse de la libido, la possible déprime et le stockage de graisse qui prend le pas sur les muscles. On considère que les hommes n'accepteront jamais de tels effets secondaires, donc les laboratoires ne mettent pas la pilule sur le marché car elle ne serait pas rentable. Peut-être que les effets secondaires ont évoqué des choses. Pas du tout. Voilà. Quelques mots aussi très rapidement sur la réaction aux protections hygiéniques qui sont très intéressantes parce que donc, vous savez, tout ce qu'on a entendu sur les produits chimiques dans les protections hygiéniques et sur le fait qu'on n'arrivait pas à faire aux fabricants de compte-rendu précis de ce qu'ils mettaient dans des choses qui parfois sont insérées et mises tout près des muqueuses. Donc, enfin, et en fait, les femmes se mettent à parler de ce qu'elles appellent le flux instinctif libre, plus connu sous le nom de FIL pour les intimes, et qui est en fait le fait de retenir ses règles, comme le pipi, enfin tout quoi, donc de contracter le périnée pour retenir ses règles et ensuite les évacuer le sang quand on va aux toilettes, et donc se passer totalement de protection hygiénique. Et en fait, c'est un savoir qui est très pratique, très concret, qui là se transmet de femme à femme et puis de femmes qui ont le temps, en fait, du temps à consacrer à ça, à s'entraîner, parce que les premiers mois vaut mieux être chez soi, à s'entraîner à faire ça. Donc il faut quand même avoir le temps pour le faire, etc. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est des pratiques qui ont été connues puis oubliées. Et ensuite, le corps des femmes a été justement, est devenu une sorte de. Enfin, un continent, en fait, puisqu'on ne nous a plus jamais appris à faire ça, et ça pour le coup c'est pas encore transmis de mère en fille, peut-être que ça le deviendra. Voilà, je voulais dire quelques mots de l'accouchement mais je vais pas avoir le temps, mais bon en gros la même chose, par exemple on sait maintenant que c'est
une chose qui rend la, qui est possible, enfin qui est susceptible de rendre l'accouchement plus difficile que d'accoucher allongé plutôt qu'à quatre pattes ou accroupi, et que c'est en fait une position pas naturelle. Et cette position, elle a été popularisée en Europe quand c'est des hommes qui ont commencé à aider à accoucher les femmes. Et en fait, il fallait surtout pas qu'un homme se trouve derrière les fesses d'une femme tendue, parce que c'est vraiment très inconvenant. Et du coup, il fallait que la femme, qui elle, est quand même en train d'accoucher, s'adapte à monsieur qui ne voudrait pas voir une paire de fesses. Il aide à accoucher, hein, par ailleurs, mais bon. Oui, voilà. Mais c'est, voilà, c'est pas pareil. L'anus, c'est vraiment dégoûtant. Bon. Et donc là, il y a des sages-femmes qui s'organisent et pareil, qui se rendent visibles sur Internet, mais vraiment jamais de manière officielle, en fait. Et ça qui est intéressant, qui s'organisent pour aider les femmes à accoucher dans d'autres conditions, et puis surtout dans des conditions qu'elles choisissent, en fait, et puis éviter de mutiler les femmes sans leur demander leur avis. C'est la fameuse question de l'épisiotomie quand elle n'est pas volontaire, quoi, ou du point du mari quand il n'est pas volontaire et qui se pratique encore. Voilà. Donc pour conclure, je voulais juste mettre en avant le fait que ces femmes qui sont de classes sociales différentes et de cultures différentes, en fait, par des réseaux de communication qui ne sont pas des réseaux... qui ne sont pas des sous-réseaux, hein, qui sont des réseaux très connus de réseaux sociaux et Internet et des revues, etc. En fait, s'approprient tout à la fois des savoirs et leur corps. C'est deux choses qui leur ont été confisquées depuis des siècles, depuis justement l'époque des sorcières. Et que surtout, l'importance de la transmission, en fait, m'apparaît comme un enjeu fondamental. Déjà parce que justement, c'est un élément qui rapproche ces femmes des sorcières. Mais surtout parce qu'en fait... cet élément de la transmission et de la transmission de personne concernée à personne concernée semble vraiment susceptible de transformer la médecine en fait en quelque chose qui, je pense, en quelque chose qu'on attendrait tous de la médecine, c'est-à-dire une pratique qui prend en charge l'individu et pas seulement sa pathologie, mais aussi lui en tant que tel, et prend en charge un corps individuel et pas un corps uniquement masculin d'un âge moyen et blanc. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Bravo. Quelques minutes de questions. Quelques minutes de questions, dit-elle. Question, est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques de charlatanisme, parce que c'est... Voilà. Si, bien sûr, voilà. J'avais plus le temps, mais je voulais préciser qu'évidemment, il ne s'agit pas de... Enfin, il s'agit de vexer aucun spécialiste qui ont toute la légitimité qu'ils doivent avoir. Et que, mais en fait, ce qui est assez évidemment, il y a un risque de charlatanisme. Mais je pense que, en fait, les femmes qui se préoccupent de ça, justement, ont bien conscience. Et c'est pour ça qu'elles ne cessent de répéter :« Je ne suis pas spécialiste. Il ne faut pas, tout confondre. » Et la plupart du temps, les remèdes proposés sont des choses qui concernent des petites affections. Donc évidemment, on va trouver de quoi soigner une petite migraine passagère, pas un cancer en phase terminale. Voilà, non, le cancer de l'utérus, il faut aller voir un spécialiste, malheureusement. Mais il faut le faire, oui. Mais en fait, c'est assez peu proposé de soigner des choses de ce type-là. Bonjour. Bon, moi, je suis concerné, évidemment. Je voudrais simplement vous faire remarquer qu'on est passé du Covid à la Covid. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et je voulais savoir s'il y avait des solutions pour la Covid que pouvaient proposer les femmes, parce qu'on ne les voit pas. On ne voit que des spécialistes masculins. Alors peut-être qu'elles ont une solution sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Alors, je sens l'ironie. Parce que c'est évident qu'il n'y a pas de spécialistes féminins puisqu'on ne les voit pas. On voit tout. Alors, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'il n'y en a pas. Il y en a deux ou trois. Il doit y en avoir. Je crois qu'il y a des spécialistes femmes, oui. Qui interviennent, mais très peu. Non, mais dans les médias. Oui, dans les médias, c'est sûr, mais je pense. Je parle des médias, là. Je pense qu'il faut plutôt poser la question aux médias qu'aux femmes spécialistes, à mon avis. Par ailleurs, les spécialistes femmes se sont regroupées, spécialistes de tout genre. Je vous invite d'ailleurs à le faire. Il y a un site qui. Il y a un...
Les expertes, voilà, qui invitent les femmes à se renseigner en tant qu'expertes de tel ou tel domaine, parce qu'effectivement, les médias n'invitent que les hommes. Si vous voulez vous renseigner sur les remèdes de sorcières par rapport au Covid, je vous invite à aller consulter les sites dont j'ai parlé. Après, justement, c'est ce que je répondais là tout à l'heure, pour les maladies graves, comme visiblement c'est le cas du Covid, évidemment, ce n'est pas avec des huiles essentielles qu'on le traite, mais ça, c'est du bon sens. Voilà. On ne sait pas. Eh bien, je vous invite à vous renseigner. Déjà, l'alimentation, c'est la base de la bonne santé. Et, oui. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je ne me lancerai pas parce que je vais me faire incendier. Mais il y a énormément de savoirs justement qui viennent de l'Antiquité. Il y a des maladies que les gens savaient soigner depuis l'Antiquité. On a perdu ce savoir où on a dit que c'était quelque chose de complètement dépassé ou de complètement basique ou justement de la sorcellerie, alors qu'il y avait des choses qu'on savait très bien traiter. Et on a préféré utiliser justement des médicaments, utiliser des choses qui sont complètement chimiques, plutôt qu'utiliser des produits tout à fait naturels et qui ont sûrement beaucoup plus d'effet que la transformation des produits. Parce qu'on nous dit, on nous dit les médicaments, c'est intéressant parce que ce n'est jamais que de la plante qu'on utilise pour les huiles essentielles, pour l'herboristerie, etc. Mais d'où viennent les produits chimiques? Ils viennent des plantes. Plus d'autres choses que l'on met à l'intérieur, etc. Des transformations qui sont... Oui, bien sûr, mais les pesticides, ça vient des mêmes problématiques que les médicaments. C'est-à-dire qu'on fait des produits qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui sont intéressants à commercialiser. Valérie Padeloup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous entendre. Vous êtes jeune, vous parlez comme ça. C'est très intéressant. Moi, je suis d'une génération où, en effet, c'est le médecin qui a le grand pouvoir. Et ça m'intéresse beaucoup, toutes ces idées-là. Et depuis un certain temps aussi, je me dis que se soigner soi-même, ça permet d'éviter aussi une certaine violence médicale. Oui. Donc, vous n'avez pas eu le temps d'en parler. Mais peut-être vous voulez en dire quelques mots. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est aussi souvent lié à ça, en particulier dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrie. En fait, les femmes disent qu'elles se sont témoignent en fait qu'elles se sont mises à s'intéresser à ces soins naturels, mais en fait surtout individuels, en réaction à des traumatismes et refusant tout simplement de retourner chez le gynécologue ou chez ou qu'elles ont vécu un accouchement très difficile et que du coup c'est hors de question d'accoucher à nouveau à l'hôpital ou à la clinique avec des gens qu'elles ne connaissent pas, qui vont passer de service en service, etc. Et oui, c'est aussi, par exemple, il y a dans plusieurs villes de France des groupes de femmes qui se rassemblent pour pratiquer ensemble. En tout cas, se montrer comment faire, mais pratiquer ensemble les examens gynécologiques de base, donc avec un miroir, tout simplement, et un spéculum. Et donc, s'apprendre mutuellement à le faire et à pouvoir regarder si leur col de l'utérus est bien placé et se faire le prélèvement du frottis. Et en fait, ça évite d'aller chez le gynécologue. C'est quelque chose de très facile à faire. Mais en fait, au-delà de ça, c'est aussi que ça leur permet de se connaître, en fait, de se voir et de connaître leur corps et ça implique plus du tout la même relation avec le corps que le corps que je suis obligée d'abandonner au médecin qui pour quelque temps a tous les droits dessus et oui. Sophie, peut-être un mot par rapport à ce que tu viens dire. Deux choses. La première, les femmes de notre génération, on ne nous a pas appris à connaître notre corps. Qui a déjà pris une glace pour regarder sa vulve et son clitoris? Alors, en tant que... Voilà, tu vois, nous ne sommes pas dans la même génération, tout à fait. Ah, ben là, c'est bien. Voilà, ça fait plaisir. Il n'y a pas longtemps, non plus. Ah, oui, voilà. Hier. Ça, c'est la première chose. Soin du corps, soin bien-être, ça commence par connaître son corps. Voilà, alors on connaît ce qui est extérieur, on connaît moins, bien sûr, ce qui est un petit peu à l'intérieur et ce qui nous a été présenté comme étant... Non, c'est pas à toi de regarder ça. La notion de plaisir, bien évidemment, plaisir solitaire. Toute la semaine, il y a une émission sur France Culture dans la émission LSD, et c'est sur le clitoris.
C'est extraordinaire, ça nous dit un peu, c'est un peu le prolongement du colloque en quelque sorte. Et par rapport à ce qu'on a dit avec Marie-Rose, quand on a commencé à parler du vagin et du clitoris, il y a quelqu'un qui a posé une question en disant est-ce que, bon, il n'y a pas. Et toi, dans Soins du corps, voilà, les mutilations sexuelles, c'est horrible parce que, en France même, bien évidemment, hein, dans certains pays, pourtant, où je le disais ce matin, c'est interdit par la loi, ça n'empêche que ça continue à être pratiqué. Et même en France, on emmène les petites filles pendant l'été. Et hop. Alors, voilà, la première chose, c'est vraiment de dire que, voilà, on n'a pas le droit de mutiler un corps, hein. Couper le clitoris. Vous imaginez, enfin bon, voilà, c'est. Quelqu'un a dit, ah bah oui, il y a bien l'excision pour les garçons, ça n'a rien à voir. Hein. L'excision pour les garçons, on ne leur coupe pas le muscle. Hein. Non, c'est pas... voilà, donc ça n'a rien à voir. Donc je pense que c'est un tout, hein, cette histoire de soin de soi, soin du corps. Ça commence par être très, très vigilant sur le fait qu'on se connaisse et qu'on ne mutile pas le corps des femmes. Et aussi, je me permets juste de rajouter quelque chose parce que justement, ça rejoint la question des violences. C'est qu'en fait, donc il y a effectivement ce truc à mettre, enfin, sur lequel il faut éduquer en fait les jeunes filles sur le fait qu'on n'a pas le droit de mutiler leur corps. Mais aussi, je crois, et je pense que c'est en train de se faire, mais les éduquer au fait que, et peut-être effectivement votre génération, ce à quoi votre génération n'a pas été éduquée, que même un médecin, il n'a pas le droit de forcer l'entrée du vagin. Il n'a pas le droit de forcer à se déshabiller. Il a le droit de forcer à rien. Et le corps féminin reste son corps à soi. Et que, y compris un médecin spécialiste, aussi spécialiste et brillant soit-il, il n'a pas le droit de forcer. Il n'a pas le droit de faire des choses sans expliquer ce qu'il fait. Il n'a pas le droit de faire des choses sans demander de l'accord. Et en fait, ça, on sent que c'est un... Par exemple, on en parle beaucoup de cette question du consentement, etc., dans les relations sexuelles entre hommes et femmes, ou pas d'ailleurs, entre voilà, oui, ça, entre tout le monde, mais entre qui veut. Mais on en parle très peu dans le milieu médical, alors qu'il y a vraiment quelque chose qui bourdonne en ce moment de dénonciations et de témoignages, en fait, tout simplement, de violences inouïes qui sont subies dans des... Et je ne parle pas seulement de violences sexuelles au sens de où il y a un truc d'excitation sexuelle de la part du médecin. Je parle vraiment juste de forcer un vagin qui est stressé, donc fermé, pour insérer quelque chose dedans. C'est une violence inouïe. En fait, et c'est fait dans une sorte d'impunité de bah oui, mais c'est normal, il faut aller vite, on n'a pas le temps, un rendez-vous c'est 15 minutes. Et ça, on a l'impression que oui, qu'on n'a pas été éduqués en fait, à entendre ce truc-là, que, y compris dans le cabinet médical, en fait, mon corps, on ne fait pas n'importe quoi avec. Et on ne le mutile pas, on ne le force pas. Et ça, c'est un petit peu la violence professionnelle dont tu parles. Oui. Et il est évident qu'il y a aussi la violence personnelle. Quand une femme dit non, voilà, c'est non. C'est non. Voilà. Et ça, il faut absolument. Ça ne peut passer que par l'éducation. Oui. Comme tu disais, pour toutes les sexualités, que ça soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, c'est la même chose. Mais ça, on est complètement ailleurs. Voilà. On ne prend pas le temps, la peine d'éduquer les enfants. Mais il va bien falloir le faire. Une dernière question, remarque ? Non, bah écoutez, on a un peu de mal à se quitter, mais je vous rassure, demain... On se retrouve. Et ce soir, alors, il y a deux choses. Ce soir, on peut se retrouver à 20h au cinéma des Carmes pour faire Les sorcières à Hollywood. Et demain, ici même, donc dès 9h, on vous attend pour une deuxième journée qui sera aussi excitante qu'aujourd'hui. Merci et à demain. Merci.